Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hello Neighbor Identic. On est parti pour le troisième épisode, sachant que pour rappel, lors du précédent épisode, dans la cinématique finale, on avait appris que la mère était décédée. Ce qui explique pourquoi dans la cinématique d'intro d'aujourd'hui, on voit que le voisin est triste, forcément. Et on voit également que le frère commence à avoir un comportement autodestructeur. Et voilà, il commence à casser un petit peu tout dans sa chambre. Et même, on voit qu'il commence à être assez violent avec sa sœur également. Donc à voir ce que ça va donner. Dans le niveau du jour, du coup, on va incarner un zombie. Notre frère est donc le chasseur. Et notre objectif, ça va être de réunir un maximum de cerveaux. Sachant que le niveau, du coup, est un petit peu enneigé et tout ça. Et j'ai eu un souci, en fait. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que je vais faire le niveau. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai fait une première fois où j'avais filmé justement pour vous le montrer, comme d'habitude, hein, quand je découvre les niveaux avec vous. Sauf que mon jeu a crash. Et vu que le jeu a crash, ça a fait crash également le record. Et donc, mon enregistrement a été corrompu, donc j'ai pas pu récupérer la vidéo, donc j'ai plus mon gameplay de la première session, malheureusement. Donc généralement, je préfère vous montrer, bah, justement, quand je découvre avec vous, c'est plus sympa. Mais là, en l'occurrence, bah, je ne pourrais pas à cause de ce bug, donc désolé par rapport à ça. En tout cas, sachez que c'est pas grave, on va juste aller un petit peu plus vite, hein, pour le faire pour la deuxième fois. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça marche. Sachant que, honnêtement, ce niveau est plutôt simple. Vraiment, le niveau est assez simple. Toutes les énigmes sont assez basiques ou reprennent des choses qu'on a déjà vues. Donc, c'était logique, en fait, d'y penser. Il y a une seule énigme qui m'a fait galérer. Et j'avoue que, par contre, elle m'a bien fait galérer. Je pense que j'ai passé autant de temps à chercher juste une énigme. Donc, celle-ci, je vous la montrerai. Que de faire tout le reste du niveau. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est parti. Alors, déjà, on spawn ici. Il y a le numéro 13, ici. Vous voyez, qui est très important. Et on a un petit jump qui, vous voyez, ne marche pas très bien en fait au début. Donc on comprend que ce jump là, il va falloir l'accentuer, il va falloir vraiment augmenter la puissance. Voilà. Donc pour l'instant, on laisse ça, on se balade un petit peu, on tombe là-dessus. Là-dessus, on voit qu'en fait, il y a d'autres zombies qui sont attirés donc, par les cerveaux. Donc les cerveaux qui sont là-dedans, ils nous empêchent de passer. Donc là, l'énigme est très simple, ça ressemble beaucoup à l'énigme du lion qu'il y avait au premier épisode, à savoir le fait qu'il faut tout simplement donner quelque chose en appât à ces zombies pour qu'ils viennent vers nous, pour pouvoir aller au cerveau. Donc, ça reste logique. En fait, il va falloir qu'on récupère un cerveau et qu'on les fasse venir vers nous grâce à ça. Donc, il va falloir qu'on en trouve d'autres, hein, en priorité. Donc ici, vous voyez un petit peu à quoi ressemble la map. Hein. C'est un cimetière, clairement. Là-bas, du coup, on a le clocher avec l'horloge et du coup, le petit bac en dessous. Et ici, on a un premier bâtiment à droite, ce qui est intéressant. Donc, on va y aller. Premier bâtiment intéressant puisque on va pouvoir récupérer ce bouquin et qu'on va pouvoir ici augmenter la pression sur le 13, donc le premier truc qu'on avait vu. Ensuite, deuxième chose importante, ce lac. Ce lac, au début j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose à faire puisque regardez en dessous, on voit qu'il y a un pied de biche, on voit qu'il y a des choses et tout. Et au début j'avais essayé d'aller sur le plongeoir et de sauter à des endroits bien précis parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu délimité. Ouais, quand on saute, j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui sont un peu prédécoupés et je pensais qu'il fallait sauter dessus. Et en fait, non. Après, j'ai trouvé autre chose assez simplement en baladant dans le niveau qui m'a permis de résoudre ce mystère. Donc, je vais vous montrer ça un peu après. Là, pareil, vous voyez ces pierres tombales. Ici, on voit bien que cette tombe, on va pouvoir avoir quelque chose à faire avec, une interaction. Donc ça se voit. Hein. Tout ça, c'est vraiment des énigmes logiques. Hein. Et c'est du déjà vu, soit dans Hello Neighbor ou dans Hide and Seek. Hein. C'est un petit peu du déjà vu. Alors là c'est pareil par contre. À vrai dire, ici j'avais trouvé cette pierre tombale effectivement. Enfin, cette tombe avec ici un sac. Et je crois pas qu'il soit utile au final. Je crois qu'il est pas très très utile. Voilà, donc là on a le numéro 33 qui n'est pas encore activé. Et ici on a le numéro 13 qu'on va activer encore plus fort. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, en fait, ce qu'on va faire, c'est que regardez ici, vous voyez, il y a un grillage. Et en gros, on n'a pas accès à l'autre côté de ce grillage pour le moment. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai fait le tour de la map à laquelle j'ai déjà accès. J'ai déjà fait le tour de la map à laquelle j'ai accès. Et là, en fait, pour avoir accès à l'autre map, enfin, l'autre partie de la map, il faut que je prenne ce jump, ici. Hop, et vous voyez ce que ça donne. Moi, j'étais ici, en dessous. Alors, on va pas très bien avec le bouquin. Moi, j'étais de ce côté là-bas. Et là, en fait, j'arrive de l'autre côté. Alors ici il n'y a rien, mais ça me permet surtout d'arriver juste à côté, vous allez voir, ce qui est assez intéressant. Hop. Voilà, ça me permet d'arriver ici. Alors je vais aller poser mon bouquin là-bas parce que je crois que j'en aurai pas besoin de suite.
Je vais aller le poser là et c'est très chiant de se balader avec le bouquin, sincèrement. Et en fait, voilà, là-haut, vous voyez qu'il y a un boost aussi. Donc pour l'instant, tout ça, c'est assez visible. Alors là, c'est vrai que je vais un peu vite, donc on le voit pas forcément très bien, puisque je sais où je vais. Mais la première fois que j'ai fait le tour de la map, en fait, j'ai juste fait un tour de la map comme d'habitude, j'ai bien regardé partout. Et juste du grillage, on voyait vraiment distinctement qu'il y avait un boost là-haut, on voyait le petit côté thermomètre ici. Donc on sait de suite à quoi ça va servir hein, par rapport au lac gelé. Donc là, regardez, hop, on active ça et ça va dégeler le lac. Donc je vais pouvoir y accéder. Ici, je vais activer le numéro 25. Voilà, donc c'est celui qui est juste au-dessus de moi. Et ici, il y a le numéro 1 qui, pour le moment, vous voyez, il manque la manivelle, on peut pas l'activer. Sachant que le numéro 1, si on se balade un petit peu, on voit que c'est celui qui est là-bas, en face de moi. Vous voyez, numéro 1, il y a un boost ici. Donc on y reviendra. Voilà. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment très basique. En vrai, c'était pas compliqué. C'est sympa hein, comme niveau, mais c'est des choses qu'on a déjà vues, en fait. Hein, donc c'est pas trop dur à trouver. Hop, du coup, ici, il faut faire un petit jumping que je vais louper, voilà. C'est juste ce saut. Hop, voilà. Après le reste, normalement, c'est assez simple. Juste ici. On remonte ici. Et voilà. Donc d'ici, je vais pouvoir jump jusqu'à là-haut. Qu'on y va. Ça va me permettre d'activer le 33. Le 33 qui était celui qui est derrière le grillage. Donc c'est ici. De ce côté là je crois. Il doit être par là je pense, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est activé. Et ici on va aller en face. Voilà. Sachant qu'ici, bon ici j'ai un petit peu cherché quand même, parce que je savais pas trop où il fallait que j'aille au début. Et en fait je me suis aperçu que regardez, on peut aller dans le clocher et on voit qu'il y avait un petit bout qui dépassait ici, un petit rebord. Et du coup j'ai compris que c'était certainement là où je devais aller. Et là vous voyez, hop. Oula, j'ai cru que j'allais me louper. Hop, en fait on est là dessus et on va pouvoir aller sur le rebord pour aller au niveau du clocher. Ce qui va nous permettre de récupérer cette pelle. Donc là on retourne au début. Et grâce à la pelle, on va pouvoir récupérer ce cerveau. Voilà. Et ce deuxième cerveau. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi dégelé le lac. Du coup ici je vais pouvoir récupérer le pied de biche. Voilà qui est fait. Et du coup on va remonter et ce que je vais faire c'est que j'ai plus besoin de la pelle. J'ai plus besoin de la pelle normalement, je vais quand même la laisser dans le coin que je sache où est-ce qu'elle est. Si jamais je vais la mettre là-dedans. Et du coup le cerveau qui va me servir. Alors attends, je sais plus où je suis là. Mais si c'est juste là normalement. Le cerveau qui va me servir en fait pour attirer les zombies. Regardez, hop. Allez les gars, retournez-vous. Voilà, et maintenant je vais pouvoir avoir accès ici. Du coup je vais pouvoir rendre les cerveaux. Je vais pouvoir les mettre dans le bac puisque c'est bon. Let's go. Là j'en aurais plus besoin pour attirer quoi que ce soit, donc je peux vraiment les balancer. Puis, de toute manière, au pire des cas, j'aurais pu le récupérer à l'intérieur du bac hein, je pense. Je pense qu'on peut encore les récupérer hein, si jamais on oublie. Voilà. Donc je vais rechercher celui ou ceux qui restent. Je crois qu'il en restait deux. Donc vous voyez, pour l'instant, ces énigmes-là, il n'y avait rien de compliqué en soi. Tout était assez basique. Je vous dis, il y a juste quand même le clocher où effectivement je l'avais pas vu dessus de suite. Mais je l'ai trouvé assez vite ça quand même. Là, les zombies ici, c'était obvious par contre. Allez, on y va. On va ramener les deux. Et du coup, vous allez voir, il y a des énigmes assez intéressantes de l'autre côté, par contre. Enfin, surtout une. Je vous dis, celle où j'ai galéré, honnêtement, elle était pas mal. Elle était pas mal du tout.
Hop. J'avoue que c'est dans ces moments-là aussi où on se rend compte que quand on connaît le niveau, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc celui-là... Oula. Ok. Celui-là qu'on a activé après grâce à là-haut. Et en fait, ça me sert pas à grand-chose puisque j'avais déjà accès ici. Mais ça me permet d'y avoir accès par ailleurs. Et surtout, ça me permet, voilà, d'accéder plus rapidement ici. Où j'ai un petit truc à aller récupérer. Voilà. Avec ça, je vais être bien. Donc maintenant, maintenant je suis de quel côté? Je suis du mauvais côté, là. Ok, il va falloir que je retraverse, hein. Il va falloir que je retraverse, je vais reprendre le même jump. Donc vous voyez ce jump en fait, il a été activé, c'est surtout pour nous faire gagner un petit peu de temps. Allez, comme ça d'ici je peux revenir sur ce côté là de la map. Alors que sinon j'étais obligé de retourner jusqu'au spawn en fait pour tourner ici. Donc c'est un petit peu chiant. Ah tiens d'ailleurs le 25. Je l'avais pas essayé celui-là, il m'emmène où? Ah il m'emmène directement là, bah là c'est pareil, on pouvait y accéder par ailleurs, hein, c'est là où j'ai été. C'est là où j'ai sauté ici. Ok, j'étais pas passé par là, moi, oui. J'étais pas passé par là. Mais c'était pas besoin, en fait. Ok. Donc ici, pareil, hein, je veux dire, il n'y a pas trop d'énigmes. Ça, c'était logique. Il faut qu'on ait le pied de biche. Donc, vous voyez, autant les énigmes sont pas mal parce que ça s'enchaîne bien et tout. Autant, pour l'instant, c'est que de la logique. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, pareil, le pied de biche, j'en aurais plus besoin. J'avais laissé le bouquin ici, c'est ça. Le bouquin... le bouquin, je vais le reprendre. Allez, on va vous montrer cette énigme en premier. Donc là, sachez que j'ai ouvert. En gros, je vais juste vous montrer comment ça marche. Bon, en gros, je vais le faire en fait. En vrai, à y être, je vais le faire entièrement. Hop, on va laisser ça et ça là. En gros, il y a donc des cerveaux là-dedans. B. Ah, mais je suis bête, c'est la fenêtre. Il y a des cerveaux du coup ici. Et en gros, les autres, pour y avoir accès, il faut que je passe par au-dessus. Et à chaque fois que je saute dessus pour récupérer, vous voyez. Voilà. Après, il faut que je remonte. Il faut que j'aille en chercher un autre. Vous voyez qu'il y en a au milieu, il y en a juste derrière ici. Il y en a un peu partout. Donc là, le truc, ça va être de récupérer masse de cerveau. À chaque fois en montant par là et en redescendant. Hop. C'est un passage un petit peu long. Hop, on va passer là. Et bah j'en ai deux à récupérer dans le coin. Ah non, je suis tombé. Bon, on va continuer. Hein. À la limite, je vais tous les faire. Je vais faire une petite ellipse. Parce que c'est un petit peu long à faire en vrai. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de cerveaux à sortir comme ça. C'est un petit peu long. Donc on part sur une petite ellipse. Bon voilà, je crois que je les ai tous récupérés, si j'en ai pas oublié. Donc vous voyez que ça en fait quand même pas mal. Il y en a quoi? Il y en a 8. Il y en a 8 en tout. Donc on les ramènera après. Tant que je suis de ce côté, je vais vous montrer du coup l'autre partie de cette map-là, en fait, de ce côté-là. Sachant que du coup, il y a des énigmes assez sympas ici à résoudre. Alors déjà... Déjà ici, hop. Ça, vous l'aviez compris, encore une fois, c'était assez logique. On active du coup le levier. Et du coup, c'est le 1 qui va être activé. Donc le 1 qui est là-bas. Vous voyez? Maintenant, je peux me booster ici. Et ça va me permettre d'entrer par la fenêtre là-haut. À laquelle j'avais pas accès sinon. Hop. Voilà. Donc ça me permet de récupérer ici un bouquin. Un deuxième, vous allez me dire. Et en gros, voilà. Alors ça, c'est l'énigme sur laquelle j'ai galéré. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je vous montre vite fait le décor, parce que franchement, jusqu'ici, je vous dis, tout ce que j'ai fait jusque-là, je l'avais fait quasiment d'une traite. Ça avait pris forcément plus de temps, parce que j'avais pris le temps d'explorer la map et tout ça, et de réfléchir un petit peu quand même sur le moment et tout, mais sincèrement, ça s'est fait très rapidement. Si ce n'est le clocher, où, allez, j'ai pris 2-3 minutes quand même avant de le trouver. Mais j'avoue que là, cette énigme ici, par contre, elle n'était pas si logique que ça pour moi. Genre, j'ai vraiment galéré. Alors, une fois que j'ai trouvé, ok, c'est logique, c'est toujours facile, hein, une fois qu'on a les solutions. Mais avant, j'ai mis tellement de temps. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a une télé. On a une télé. Et regardez, si on observe bien, on a ce monsieur qui regarde la télé. Avec une table devant lui. Le mec qui insiste bien, vous savez, sur les éléments importants.
Et ici, regardez, si on monte, on voit quoi? On voit un cerveau. Mais ce cerveau, je peux pas le prendre parce qu'il est pas assez gros. Il n'est pas développé. D'accord? Cette télé. Regardez derrière, on a accès, on peut monter. Hop. Allez, je peux monter jusqu'en haut. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et du coup, je vais vous donner la solution. En fait, je peux monter jusqu'ici et vous voyez, je peux éteindre la télé. Voilà. Donc déjà, il fallait éteindre cette télé. Ça, c'est une première partie de la solution. Mais vous voyez que, du coup, il ne regarde plus la télé, c'est bien. Je crois que son cerveau a un peu grossi, voilà. Ce que j'essaie de vous montrer. Hop. Voilà. Donc le mec ne regarde plus la télé, du coup, son cerveau a grossi. Mais pas assez. Pas assez. Donc maintenant, il faut qu'il se cultive. Et donc, qu'est-ce que j'ai pour qu'il se cultive? Un bouquin. Que je peux mettre ici. Et maintenant, le cerveau est gros et je peux récupérer. Vous voyez, honnêtement, là, maintenant que je vous l'ai montré, je pense que vous allez vous dire, oui, bah ça va, c'est logique, c'est facile, elle est pas mal, cette énigme et tout. Mais en vrai, cette énigme, ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de faire. Et bah, sincèrement, j'ai mis du temps à penser à ça. Vraiment, je l'ai pas vu de suite du tout, clairement. Voilà. Bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu de suite. Et si c'est le cas, bah GG. N'hésitez pas à me dire du coup si vous aviez quand même trouvé la solution par vous-même. Mais en tout cas, moi, j'avais pas trouvé de suite. Bon, en tout cas, c'est l'avantage, c'est que vu que je l'ai déjà fait au moins pour la vidéo, je vais pas galérer pendant une heure dessus. Donc, ceci étant fait, en vrai, il me reste plus grand-chose. Hein, on arrive à la fin du niveau. On arrive à la fin du niveau, les amis. J'ai juste à tout récupérer ici, donc là, je vais m'amuser. Bah ouais, j'ai juste des allers-retours à faire, en fait. Et il faut que j'utilise le bouquin que j'ai là, qui est la dernière énigme. Donc ça c'est pareil, c'était assez simple à trouver. Cette énigme là, dès que je vais m'en approcher, vous allez trouver de suite par vous-même aussi. Non par contre ça c'est à moi. Je peux le garder. Regardez, je vais vous montrer de suite où va ce bouquin. Je vous dis, je vais juste m'en approcher. Vous allez trouver tout seul, vous allez voir que c'était assez simple aussi. Enfin déjà, il faut que je trouve l'endroit où c'était. Je sais plus où c'était, mais... Il y a ce truc là aussi qui m'avait pris un peu de temps. Je savais pas trop ce que c'était. Je pensais que je pouvais le faire fondre aussi. Mais apparemment, il y avait rien à faire avec, en fait. Alors par contre... Je sais plus où je dois aller. Alors je sais à quoi ça ressemble. Justement, la première fois que j'avais le tour de la map, c'est là où je l'avais vu. Et là... Bah mince, c'est où? C'est peut-être de l'autre côté, du coup. C'est peut-être de l'autre côté... Là, on a le jump. Là-bas, c'est la pierre tombale. Alors je sais plus où c'est de ce côté là, faut que je retrouve. Je crois que je le vois là. Ah voilà, c'est là-bas. Donc vous voyez, je pense que ça paraît assez logique, n'est-ce pas? Regardez le petit truc rituel. Et donc là, hop, on invoque des zombies. Et là on se dit, mais mince, qu'est-ce qu'ils font? Et regardez, il nous ramène des cerveaux, tout simplement. Et voilà, c'était la dernière énigme. Du coup, j'ai juste à ramener tous les cerveaux, donc ceux que j'ai eu là-dessus et ceux du marché. Oui, c'est de ce côté, du coup. Et bah, une fois que j'aurai fait ça, normalement, le niveau sera terminé, je crois. En tout cas, ça y ressemblait. Alors, on va voir, hein, je vais remettre les trucs, mais je crois qu'on était sur la fin. Hop. Regardez, vous voyez comment ça avance. Donc là, il manque juste les cerveaux de l'autre côté. Le chemin le plus court, c'est par là. Donc là, c'est juste des petits allers-retours. Hein. Eh bien. Ah, je vais me faire attraper. Hop. Quoi? Quoi? Il a volé avec moi! C'est la première fois que ça arrive, ça. Je savais même pas qu'il pouvait. 4. Mais c'est cheaté. D'où il peut s'envoler avec moi, lui?
MDR. C'est beaucoup trop drôle en vrai. Voilà. Oups. Après, vous voyez que même en connaissant le niveau, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Mine de rien. Donc c'est vrai que le niveau avait pris quand même pas mal de temps la première fois. Parce que le temps de faire bien le tour du niveau pour voir un petit peu ce qu'il y avait où. Le temps quand même de trouver 2-3 énigmes et surtout de résoudre, je vous dis, l'autre là qui était insane. Ça a pris du temps. Ça a quand même pris du temps. Donc là au moins... On est sur une base de vidéo un peu plus courte au moins. C'est plus résumé. C'est pas plus mal non plus hein, en soi. C'est pas plus mal, au moins on va directement au truc intéressant. Ok. Alors normalement, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Allez, voyons voir cette cinématique du coup. Donc voilà, toujours en train de tirer sur sa sœur et tout. Pas très gentil. La maltraitance. Le voisin toujours déprimé, forcément. Et qui a pas l'air de trop faire régner l'ordre, hein, du coup, par rapport à ses enfants. Parce que la pauvre fille, c'est elle qui prend cher, du coup. Alors ça revient par rapport au début. Il y avait une cinématique où, justement, il lui prêtait... Oula. Il y avait une cinématique où il lui prêtait cette cuillère, et en fait maintenant on voit qu'il lui vole, c'est vraiment pour justement... Pour montrer la différence justement de mentalité, et là il lui vole du coup sa peluche. Très bien. Eh bien on s'arrête là-dessus pour cet épisode du coup les amis. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt de toute manière pour le dernier épisode de Hello Neighbor, Identique. À très bientôt les amis.